Bienvenue à l'Empire Renardesque pour cet épisode numéro 13 de notre challenge Désert Extrême Brutalité Nue. Alors Star Fox, Dodo et Silver vont-ils avoir un peu plus de chance pour ce 13e épisode? On va voir ça tout de suite. Et ce nouvel épisode commence avec une observation quelque peu navrante, puisque nous pouvons voir que nous avons 10 plats simples qui vont pourrir sous peu. Ce n'est pas un désastre, mais on sait que dans le désert extrême, la nourriture est une ressource rare. Il faudra donc penser à revoir nos plans au niveau de la fabrication des plats pour réduire le nombre maximum que l'on peut avoir. Comme nous ne sommes que 3 dans la colonie, il me semble raisonnable de n'avoir que 4 plats simples et 4 plats raffinés maximum. Alors sur une note un peu plus positive, pendant que Silver est en train de ramasser du foin évidemment destiné aux animaux, nous recevons notre récompense suite à la quête effectuée lors du dernier épisode. Il s'agit de 2 médicaments avancés dont nous n'avons pas d'utilité pour le moment, mais qui seront, j'en suis sûr, utiles dans un futur proche. Mais pour le moment, Star Fox s'occupe de réparer les murs touchés par les tirs quelque peu maladroits effectués lors de la précédente attaque. L'étoile orange accueille alors une visite de contrebandiers venant de l'accord Itbo. En attendant leur arrivée, Star Fox va se mettre au travail sur un pantalon en cuir de lézard. La chasse à l'iguane a plutôt été prolifique dernièrement, Star Fox va donc pouvoir mettre à profit ses talents de couturier. Silver ayant le plus d'aisance à l'oral, c'est elle que l'on enverra négocier avec les marchands. Elle croisera Dodo au passage qui se réveille tout juste et reprend sa routine matinale. Comme les contrebandiers sont des personnes charmantes, ils nous proposent soit de la drogue, soit des esclaves. Pas forcément ce que l'on recherche en priorité à l'étoile orange, mais ceci dit, quelques bras supplémentaires pour tailler des pierres seraient les bienvenus. Après une rapide évaluation des 4 pauvres bougres proposés, il sera décidé de les laisser entre les mains des contrebandiers. En effet, les 3 premiers avaient des traits particulièrement négatifs qui auraient pu être dangereux pour la colonie, et le dernier, malheureusement, n'avait pas de capacité que l'on recherche actuellement. En revanche, Silver délestera les contrebandiers de tous leurs médicaments, nous en avons très peu et en cas de maladie ou d'infection, ceux-ci seront très utiles. Nous vendrons également le neuro-entraîneur permettant d'améliorer les compétences de dressage. En effet, le désert n'est pas tellement un lieu propice à l'accueil de nouveaux animaux. Une fois son œuvre terminée, Star Fox s'empressera d'aller enfiler son nouveau futal. En effet, le sien était tout simplement en train de dépérir. De son côté, Dodo est retourné plonger le nez dans ses bouquins. Pour Silver, il est déjà l'heure d'aller se coucher. Il est 13h. La colonie reprend ses habitudes avec Star Fox qui se lance dans de la taille de pierre. Mais rapidement, le travail de Dodo porte ses fruits puisque celle-ci nous permet de découvrir la plantation des arbres. C'était une de nos priorités puisque les fibres de bois ont un rendement plutôt faible, nous pourrons ainsi optimiser notre production. Il nous faut désormais choisir un nouveau domaine de recherche et pour une fois, le choix sera fait plutôt rapidement. En effet, les bases de la microélectronique paraissent être un choix évident
puisqu'il ouvre de nouveaux horizons et permet également de construire un nombre de bâtiments et d'outils non négligeables. Après une fin de journée sans trop d'encombre, Silver se réveille et Star Fox, lui, au contraire, va se coucher. Notre cuisinière fermière va reprendre ses bonnes habitudes entre préparation de plats délicieux, ramassage de foin et quelques petites parties de lancer de fer à cheval. Dodo, elle, passera une partie de la nuit encore à rechercher et alternera avec quelques coups de balai. On a bien besoin d'un petit peu de ménage par moment. Nous avons changé son emploi du temps. Il est nécessaire qu'elle croise Star Fox le moins possible. Ces deux-là ne s'entendent pas du tout. Elle se couchera donc sur le coup des 4 heures, alors que Star Fox, lui, se lève tout juste à ce moment-là. C'est aussi le moment choisi par la caravane pour partir. Ils auront bien profité de l'hospitalité de l'étoile orange. Pendant que Star Fox s'occupe enfin de démonter les restes dans l'ancienne base, Dodo nous fait part de ses souhaits dans ses rêves. Elle souhaiterait changer de look en rapport à sa nouvelle idéologie. Il faudra donc construire une coiffeuse pour que Dodo s'accorde un petit rafraîchissement au niveau de la coupe de cheveux. Star Fox va profiter des matériaux récupérés dans l'ancienne base pour se construire un nouveau sol dans sa chambre. Il en a assez de dormir les pieds dans le sable. Le reste de la matinée sera du même acabit avec Star Fox de retour dans l'ancienne base pour tout démonter et Silver soit dans les champs, soit dans la cuisine. Aux alentours de midi, celle-ci ira se coucher un peu plus tôt que d'habitude, je vous l'admets. Dodo va prendre le relais et se jeter directement sur sa table de recherche. L'acier récolté par Star Fox va lui permettre de construire de nouveaux pièges. En effet, ceux-ci n'ont pas été remis à neuf depuis la précédente attaque. Aux alentours de 18h, le soleil se couche tout doucement, Silver se lève et Star Fox s'entraîne au fer à cheval. Et il faut croire que l'accord Itbo apprécie l'étoile orange puisque nous avons une nouvelle visite avec cette fois une caravane marchande de produits exotiques. Entre la récolte de patates et une petite partie d'échecs endiablés, Silver pourra mettre à profit ses talents de négociation sans égal afin de trouver la perle rare, peut-être avec nos nouveaux marchands. Silver va s'accorder quelques petites folies sur ce coup en achetant tout d'abord une chèvre. Nous avons des poules, mais la chèvre permettra de produire du lait, ce qui est une nouvelle source d'alimentation non végétale, donc utile pour la préparation de plats raffinés. Silver va également respecter la règle sacrée de Rimworld en appliquant le ABC, Always Buy Components, et acheter tous les composants proposés par ses interlocuteurs. Le total à payer est particulièrement conséquent et l'étoile orange n'a pas les moyens de s'acheter tout ça. Il sera donc nécessaire de se séparer de quasiment l'intégralité de son or afin de pouvoir récupérer toutes ces denrées qui, nous l'espérons, seront utiles à l'Empire renardesque. Suite à cela, l'amante de Star Fox étant décidément capable de tout, elle se rend à la mine d'acier pour creuser autant que possible. Aux aurores, Star Fox va se réveiller et se jeter immédiatement sur son petit déjeuner. Dodo aura eu tout juste le temps de lui dire bonjour avant de retrouver son lit
et les bras de Morphée. Star Fox va profiter de cette matinée pour faire plusieurs choses diverses et variées. Tout d'abord du rangement en rapatriant quelques ressources provenant de l'ancienne base, puis il réalisera la construction d'une nouvelle batterie. Nous n'en avions qu'une, une seconde sera plus sûre. Enfin, il avancera dans la construction d'un nouveau piège. Nous nous approchons de la configuration optimale à ce sujet. Pour cela, il ira se servir de l'acier miné par Silver durant la nuit. Nous nous apercevrons que cette mine est désormais vide. Il faudra trouver donc un nouveau filon si l'on veut se servir en acier directement à partir des ressources de la colonie. Vers 11h, la caravane qui nous a plumés se retire et Silver va se coucher. Dodo, elle, en profite pour se réveiller et faire un petit brin de ménage. Star Fox passera son après-midi à finir la construction de pièges, puis il ajoutera une nouvelle lampe dans la petite chambre située en bas à droite du bâtiment principal. Dodo, de son côté, ne va pas bouger de sa table de recherche pour progresser autant que possible sur notre nouvelle priorité. Vers 18h, Silver se réveille et nous nous rendons compte qu'une de nos quêtes expire sous 7h. Nous devrons nous débarrasser d'un de nos colons pendant 8 jours, et même si la récompense d'une nouvelle personne est intéressante, nous devrons décliner cette offre. La nuit est tombée sur l'étoile orange et le moins que l'on puisse dire c'est que celle-ci est plutôt paisible. Star Fox s'est couché. Dodo fait toujours de la recherche en alternant avec un petit peu de rangement et Silver, comme d'habitude, cuisine. La frénésie de travail de Dodo va s'achever, son rendement à la recherche sera donc diminué, mais restera tout de même honorable. Cette tranquillité va être interrompue avec le crash d'une capsule à proximité. On y trouve un réfugié de l'espace de l'Imperium brisé qui est blessé et risque de trouver la mort d'ici plusieurs heures. Même si ces statistiques sont intéressantes, nous ne prendrons pas le risque d'accueillir ce colon chez nous en raison de son trait paresseux. De plus, ses capacités ne sont pas forcément celles que nous recherchons. Un médecin aurait plutôt fait l'affaire. Star Fox, cependant, ne peut se résoudre à laisser ce pauvre bougre à son propre sort. Il fera donc l'effort de se réveiller en plein milieu de la nuit pour aller le récupérer et le laisser dans un lit médical. Star Fox enchaînera immédiatement avec des premiers secours en espérant que ce nouvel arrivant survive à ses blessures. Il est 6h du matin, Dodo a rejoint les bras de Morphée et Star Fox, lui, continue sa journée commencée au beau milieu de la nuit. Il débutera par la construction de nouveaux câbles pour alimenter une lampe dans la petite chambre au sud, puis il enchaînera avec la prise en charge de son patient en lui emmenant un plat simple. La lumière de la chambre du bas étant prête, nous pourrons continuer notre travail de séparation entre Dodo et Star Fox. En effet, en mettant dans cette nouvelle pièce le bureau de recherche, nous devrions réduire considérablement les interactions entre ces deux ennemis. Malgré leur désaccord, le bien-être de l'étoile orange passe par-dessus tout, et Star Fox n'hésitera pas à se rendre dans la chambre de Dodo pour construire sa table de nuit, alors que celle-ci, justement, se réveille. Suite à cela, l'après-midi sera des plus calmes, avec une Silver qui a regagné son lit, et Star Fox qui ne tardera pas à le rejoindre, puisqu'à 17h, il sera couché, il a besoin de récupérer après une courte nuit. Silver se lèvera quelques heures plus tard, et après avoir mangé un petit encas sur le pouce, se rendra dans un lieu peu habituel, une nouvelle mine d'acier un peu plus au nord. Alors qu'elle commence à creuser, nous aurons une visite de percepteurs royaux
qui seront bien évidemment ignorés. Après une courte pause pour se détendre et pour aller apporter à manger à notre patient, Silver retourne dans sa cuisine. Il n'y a plus beaucoup de plats en réserve. Mais une fois ceci terminé, elle retournera immédiatement à la mine, alors que Star Fox décide de se lever. C'est assez inhabituel. Il est 2h du matin, serait-il pris d'une insomnie? Il attaquera tambour battant en posant des dalles de marbre au sol avant d'aller prendre un petit déjeuner, puis profiter d'une petite balade. Pendant ce temps-là, au contraire, Dodo a fini sa journée et est directement allé se coucher. Star Fox va ensuite continuer son travail de carreleur, avant de déplacer la table de recherche dans la petite salle du bas, comme cela était prévu. Alors que nos compagnons continuent leurs tâches quotidiennes, nous nous rendons compte que le ménage ne semble pas être fait partout comme il se devrait. Et pour cette raison, nous allons étudier un petit peu notre zone de base. Alors tout d'abord, nous verrons que certaines salles ont en effet été ignorées, par erreur, ce qui sera corrigé immédiatement, et d'autres, en revanche, qui ont été supprimés dans la précédente base, devront être également enlevés pour que nous ne fassions pas des coups de balai inutiles. Nous remarquerons qu'un iguane s'est introduit sur le territoire de l'Empire Renardesque. Laissons-le gambader et apprécier la vie pour le moment. Il sera bientôt mort de faim et viendra nous rendre visite à ce moment-là. Nous en profiterons donc pour se faire un petit peu de viande. La nuit est tombée, Silver s'est levé et Star Fox est au lit. Il va bientôt être rejoint par Dodo. Et je dois admettre qu'il n'y a rien de particulier à signaler. Randy est plutôt avare en événements en ce moment. Cela permet à nos colons d'apprécier un petit moment de quiétude qui, nous n'en doutons pas, sera forcément interrompu un moment ou un autre. Nous sommes au petit matin et peut-être aurais dû je me taire. Puisque, alors que Silver est tranquillement en train de miner, un raid est en cours. Le clan des étendus va passer à l'attaque. Ils sont 4 et munis d'arc. Et il va falloir se préparer pour éviter toute mauvaise surprise. Ils ne passeront pas tout de suite à l'assaut. Nous laisserons donc nos amis vaquer à leurs occupations pour le moment. Silver va profiter de ces instants pour continuer son travail dans la mine. Star Fox, quant à lui, va s'occuper des bêtes. Il faudra d'abord leur amener du foin. Et ce sera également la première traite de notre chèvre. Alors que Silver cuisine tranquillement, que Dodo s'est réveillé et que Star Fox a bien avancé sur le carrelage de sa chambre, nos ennemis décident de passer à l'assaut. Dododo et Star Fox vont donc se mettre en position de défense habituelle. Ils seront à couvert et également protégés par les pièges. L'attaque de nos ennemis sera courte et sanglante, puisqu'alors que leur premier assaillant se fera cribler de balles, les seconds se prendront les pieds directement dans les pièges, et le dernier, voyant le massacre sous ses yeux, fuira immédiatement. Star Fox et Dodo tenteront tant bien que mal de couper son escapade, mais cela sera sans succès. Ils tenteront de l'intercepter par le sud, mais ils feront preuve une nouvelle fois de maladresse, et bien qu'une balle touche sa cible, l'assaillant pourra tranquillement s'échapper du territoire. Et c'est sur cet assaut facilement repoussé que nous finirons cet épisode de l'Empire Renardesque. Je tiens à vous remercier pour votre attention sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
et que les prochains épisodes vous seront tout aussi passionnants. Je remercie doublement ceux qui s'abonnent et qui mettent un petit pouce. Cela me permet de progresser. Je travaille sur ces vidéos en parallèle avec mon emploi et mon rôle de père. C'est tout à fait agréable d'avoir ce genre de support. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée ou nuit. N'oubliez pas de vous amuser et à bientôt !